alors il y a maintenant les problèmes qu'on lui reproche avec les yeux de 2021, de 2020, avec donc un certain nombre de lobbies, de mouvements qui, profitant de la mode déconstructiviste, attaquent Napoléon sur quelques sujets principaux. Il y a le rétablissement de l'esclavage. Il y a le nombre de morts faits en France. Il y a peut-être des soupçons de racisme ou d'antisémitisme. J'ai vu que Mme Clémentine Autain disait que Napoléon avait été antisémite. Alors est-ce que vous pouvez répondre à ces différents points ? Bah écoutez, on va essayer de répondre. En tout cas, première réaction, c'est faire de l'histoire. On l'a dit, on fait de l'histoire depuis 200 ans. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. C'est ça, j'aurais vraiment insisté là-dessus. On n'est pas là tous les jours. Hein, on n'est pas le comité de salut public, hein, avec une guillotine pas très loin, et on essaie de savoir s'il va être guillotiné ou pas. Hein. Donc faire de l'histoire, c'est d'abord avoir une vision objective des choses. Et la vision objective, elle n'est pas là. Dès qu'on parle donc de ces différents sujets, ce n'est pas du tout pour faire de l'histoire, c'est pour condamner. Il fallait bien trouver quelque chose. Donc on a trouvé ça. On dit, tiens, c'est quand même pas mal. Avec ça, on est tranquille, on va pouvoir tuer de manière définitive. Parce que le but de tout ça, c'est que, encore une fois, le 6 mai prochain, donc, le but, c'est de ne plus parler plus jamais de Napoléon. Le problème sera réglé. Donc, on n'est pas dans la commémoration ou la célébration, on est donc dans la condamnation. Donc, le 5 mai, on va prononcer donc un jugement. Et à partir du 6 mai, on va se débarrasser de la figure de Napoléon. Donc, pour le condamner, et bon, on essaie de trouver quelque chose. Et ce qu'on a trouvé, c'est effectivement donc ces différents sujets, rétablissement de l'esclavage. Alors, dans un premier temps, maintien, puis rétablissement. Là aussi, c'est un vaste sujet. Il faudrait prendre le temps donc, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Napoléon n'était pas raciste. C'est quelqu'un de très pragmatique. Donc, on lui a soufflé dans l'oreille à ce moment-là que c'était prendre un risque politique très très grand, donc de libérer donc la société civile dans ces différentes îles. Donc c'est vrai qu'il n'a pas su résister donc à un lobby de sucriers. Bon, cela on étant... – On parle des anciennes îles à sucre, la voilà, Martinique, tout la à fait, tout à fait. Enfin, il a quand même résisté, puisque je rappelle, autre création napoléonienne, c'est la betterave à sucre. Le sucre que l'on mange... Hein, tous les matins, ce n'est pas du sucre de canne, c'est du sucre de betterave. Et la betterave, c'est une création donc, du produit, du génie français sous impulsion de Napoléon pour justement être indépendant des importations de sucre. Donc voilà encore un sujet. Parlons de tout. Donc on ne voulait pas du tout dépendre du sucre de canne avec une force de travail, donc faire du travail forcé, etc. Et d'autre part, je voudrais bien inciter, c'est Napoléon qui abolit la traite. Donc en 1815, c'est Napoléon qui donc libère les esclaves noirs à Malte. Donc ça, on n'en parle pas, bien évidemment. Donc en Égypte, il libère les esclaves. Donc il y a même des régiments noirs. Pendant l'expédition d'Égypte. Voilà, tout à fait, absolument. Donc on n'en parle pas, bien évidemment. D'autre part, quand il est à Sainte-Hélène, il demande l'autorisation à l'autorité britannique, locale, donc de libérer. Donc il y avait un esclave, donc Malek, qui s'appelait Toby. Donc ça, tout le monde connaît Toby. Il a dit « Allez, on va le libérer hein. ». Et ça lui a été refusé. Parce qu'on a dit « Non, non, on ne va pas commencer à libérer les esclaves à Sainte-Hélène, même si vous aimez bien ce personnage ». Et en plus, le personnage a refusé en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je vais être mis à la rue, j'aurai plus rien ». Vous voyez, il faut prendre le temps de bien comprendre tout ça et puis de replacer le contexte de l'esclavage dans une image beaucoup plus globale. Est-ce qu'on reproche à Washington, à George Washington, est-ce que les Américains tous les matins disent George Washington, est-ce qu'il avait des esclaves ou pas? Bon, donc cessons ce genre de choses. Et puis alors après, on pourrait aussi s'intéresser aux autres États, aux autres puissances donc, à l'époque. Donc c'est ce genre de débat qui n'apporte rien. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire que Napoléon il a fait que des choses extraordinaires. Ce n'est pas Jésus-Christ qui fait que des choses. Il a commis des erreurs et on le sait tous. On ne veut pas exclure les erreurs. La campagne de Russie, pas dire que c'est quelque chose de tout à fait génial. Bon, il a fait des erreurs. Mais encore une fois, regardons ce qu'il a apporté. Il n'a pas détruit la France, il a construit la France. On en parlait donc à l'instant. Ce n'est pas un destructeur, Napoléon, c'est un constructeur. Alors évitons effectivement les anachronismes. Pour que nos auditeurs voient bien les choses, il faut essayer de se replacer à l'époque de Napoléon ou à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, le premier pays au monde à avoir aboli,
à la fois l'esclavage et la traite. La traite, c'est-à-dire le commerce, faire venir des esclaves d'Afrique, et la traite, ça c'est ça, la traite et l'esclavage, je l'ai utilisé comme main d'œuvre sur place. Il y a eu quelques mouvements ici ou là dans tel ou tel État des États-Unis, mais fondamentalement, le premier État à abolir la traite et l'esclavage, c'est la France en 1793-1794, suivi ensuite du Danemark en 1797. Et puis donc, effectivement, Napoléon va rétablir non pas la traite, mais l'esclavage dans les îles à sucre, où en fait il n'avait jamais vraiment disparu, parce que d'abord à l'époque, les communications sont assez lentes, et puis il faut qu'on tenir compte aussi avec les colons venus de France qui n'entendent pas de cette oreille les instructions venues de Paris. Donc en tout cas, on peut reprocher en effet à Napoléon d'avoir fait cela. Mais comme vous l'avez expliqué, en 1815, en revanche, tout à fait à la fin de sa carrière politique, là, il abolit la traite. Ce sera à la Restauration qu'on rétablira l'esclavage de plein exercice. Il faudra attendre en France la deuxième révolution, enfin la troisième, après 1789 et après 1830, celle de 1848, pour que Victor Schœlcher prenne le fameux décret d'abolition définitive de l'esclavage en France. Mais ce qu'il faut savoir, et ce dont personne ne parle jamais, c'est qu'à cette époque-là, tous les grands États occidentaux pratiquent l'esclavage. George Washington, il meurt le 15 ou 16 décembre 1799. Il a 200 esclaves dans sa propriété, dans sa plantation de Virginie. Il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis sont esclavagistes et vont le rester jusqu'en 1866 ou 1867, à la fin de la guerre de sécession, c'est-à-dire bien plus longtemps que la France, même après le décret de Victor Schœlcher. Le Royaume-Uni est également esclavagiste et abolira l'esclavage dans les années 1830, je crois. La Russie n'a pas de colonie outre-mer, mais la Russie pratique le servage. Ça remonte à la nuit des temps, au Moyen-Âge russe. Et il faut attendre Alexandre II, celui que Dostoïevski appellera le tsar libérateur, pour abolir le servage en Russie en 1861 ou 62, c'est-à-dire quelques années avant les États-Unis et bien longtemps après tout ça. Donc je crois que c'est important de replacer ça, parce qu'il faut... Même si, au regard de notre époque, effectivement, on peut et on doit trouver que cette décision de Napoléon n'est pas conforme à ce que l'on pourrait imaginer d'un héros, eh bien il faut voir qu'à l'époque, finalement, ça n'est que la monnaie commune, monnaie courante. Oui, François, si vous me permettez de compléter, effectivement, tous les pays de l'époque, tous les pays occidentaux, vous avez cité tous les pays occidentaux, pratiquent l'esclavage, mais ils mettent un terme. En même temps... Comme dirait notre président, en même temps, à côté des pays occidentaux, vous avez aussi toute la culture arabe et musulmane qui, elle, pratique l'esclavage depuis 13 siècles et n'y met pas de terme. Donc, si vous voulez, c'est tout de même un petit peu toujours à sens unique. Donc, je trouve tout à fait naturel qu'on condamne l'esclavage. Évidemment, personne n'est pour l'esclavage. Et célébrer Napoléon, ça n'est une fois de plus pas célébrer l'esclavagisme. Mais n'oublions pas qu'on est dans un monde où, en Afrique, dans tous les pays arabes, probablement dans la plupart des pays asiatiques, on pratique l'esclavage et on y mettra un terme que d'ailleurs, dans certains pays, on n'a toujours pas arrêté. La France, elle, finira en 1848, c'est déjà un progrès. Donc je pense que le sujet de vouloir décrédibiliser complètement l'empereur et vouloir arracher le souvenir napoléonien, non pas la merveilleuse association de Dirich Christian Bourdeil, mais le souvenir et la mémoire de l'empereur des Français sur le prétexte de l'esclavage, évidemment, l'esclavage, c'est très très mal. Mais attention, si vous voulez, si on commence comme ça en attaquant Napoléon, une fois qu'on aura effacé Napoléon, on effacera qui ? Jeanne d'Arc ? Vercingétorix ? Charles de Gaulle ? On va effacer tout le monde les uns après les autres. Ensuite, on fait quoi ? Ben on efface la France. On prend ce pays, on le met définitivement à la poubelle. Enfin, c'est pour ça. On peut aimer, ne pas aimer Napoléon. Moi, quand je dis Napoléon, personnellement, à titre personnel, le personnage, l'homme Napoléon, ne m'est pas sympathique. Okay ? En revanche, son œuvre est absolument remarquable. Il ne m'est pas sympathique, mais de toute façon, il ne l'était pas. Donc sinon, ça ne serait pas Napoléon. Ce ne serait pas Napoléon. Napoléon n'était pas là pour être sympa. Donc il ne m'est pas sympathique. En revanche, moi, quand je défends Napoléon, et surtout je défends la célébration des bicentenaires napoléoniens, c'est parce que pour moi, Napoléon, une fois de plus, ça représente cette génération de Français extraordinaire qui a diffusé partout. C'est la liberté, égalité, fraternité, l'égalité devant la Révolution française. La Révolution française, c'était l'égalité des hommes, des femmes, sans considération de couleur, de culture, de religion, on est tous égaux. C'est lui qui a fait ça. Hein. Donc, enfin, c'est nous, d'ailleurs, collectivement, avec Napoléon, qui avons fait ça. Donc aujourd'hui, que Napoléon soit agressé par des gens qui se sentent victimes de discrimination, alors que c'est lui, et
effectivement, l'esclavage est une discrimination. C'est quand même moins qu'on puisse dire. C'est même un crime. Mais qu'aujourd'hui, des descendants ou des historiens décident que Napoléon doit être pendu en place publique, mis au pilori, brûlé et jeté aux ordures parce qu'il a rétabli l'esclavage. Alors rappelons bien quand même que le maintien de l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage de Napoléon, il n'y a pas une once de racisme chez Napoléon. Croyez-moi, ils ont été nombreux, les historiens, à essayer de trouver la preuve que Napoléon était raciste. On n'a rien trouvé. Pourtant, de la correspondance de Napoléon, il y en a des cartons entiers, il y en a des conteneurs dans tous les sens, on a des centaines de mètres cubes de témoignages de l'époque. Rien. Rien sur le racisme napoléonien. Bon, je passe rapidement sur ces élucubrations de Napoléon antisémite. Je crois que ça vient du même creuset politique que d'autres élucubrations comme Napoléon, fossoyeur de la République. Bon, vous avez une formation politique qui est une fabrique à petites formules choc, ça leur permet de faire des tweets. Bon, très bien. Donc passons sur ce. C'est complètement ridicule de dire que Napoléon, Madame Clémentine Autain, de dire que Napoléon a été antisémite, c'est parfaitement aberrant. Ouais, donc, on peut citer quand même justement le fait qu'il a créé le consistoire. Il a créé le consistoire juif de France pour permettre justement aux juifs de s'intégrer mieux dans cette société française qui, pour le coup, pendant très longtemps, les avait tout de même mis de côté. En plus, comme le rappelait le président Bourdeil, avec le code civil, qu'on soit juif, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, qu'on soit quoi que ce soit, on est égaux devant la loi. Et ça, c'est la première fois pour les juifs, hein, qui sont égaux devant la loi. Donc ça, c'est quand même non nul. Et ça, c'est Napoléon, l'antisémite. Et également, c'est le premier, après 2000 ans, à avoir réuni le grand Sanhédrin. Donc ce qui pour la communauté juive est un exercice extraordinairement important. Donc bon, Napoléon antisémite. C'est évidemment complètement ridicule. Sur l'esclavage, donc Napoléon n'est absolument pas raciste. Il a toujours été contre l'esclavage, puisque Christian le rappelait très bien, il a libéré les... Humainement, il est contre l'esclavage, il a libéré Il n'avait pas d'esclaves lui-même. Non, bien sûr. Je dis ça parce que... On va finir par y retrouver. Non, mais parce que Washington, quand il est mort, il avait 200 esclaves. Vous allez voir que tout ça... J'aimerais voir ceux qui nous donnent des leçons sur Napoléon exiger que les États-Unis d'Amérique débaptisent leur capitale, débaptisent l'État de Washington, etc. Je pense que ça va venir. Ah bon ? La volonté de débaptiser Washington pour appeler ça... Je sais pas, il y a des noms qui peuvent se proposer, mais je pense qu'ils débaptiseront Washington un jour ou l'autre, si, parce que je pense qu'ils sont partis dans un délire de cancel culture aux États-Unis qui ne connaîtra pas de limite. Donc je pense qu'ils en sont qu'au début, pour être tout à fait honnête. Il faut surtout pas que ça arrive en France, parce que sinon ça va être épouvantable. Napoléon rétablit l'esclavage dans les colonies en 1802, alors qu'il a toujours lutté contre les lobbies de l'époque, d'ailleurs portés essentiellement par Talleyrand, qui était payé par les lobbies du sucre. Il a toujours lutté en disant non, il n'est pas question, je rétablis l'esclavage dans les endroits où il a été. Donc vous dites, c'est plutôt Talleyrand, hein. Ah oui, c'est Talleyrand. Oui, c'est pas Joséphine. Non, Joséphine n'y est pour rien. Alors la pauvre Joséphine. Elle y est vraiment pour rien. La pauvre, d'ailleurs, on a décapité sa statue, c'est terminé. Les autorités de la République sur place ont complètement abandonné le projet de remettre la tête de Joséphine sur sa statue. Elle va être décapitée. Bon. Enfin bon. Non, mais Joséphine n'y est pas. Elle y est vraiment pour rien. Ou en tous les cas, je ne crois pas qu'il soit pour grand-chose. Mais de tous les historiens sérieux sur la question, non, elle y est pour rien. Non, c'est Talleyrand, le lobby du sucre qui cherchait à rétablir l'esclavage, etc. Bon, Napoléon s'y est toujours opposé jusqu'en 1802. Qu'est-ce qui se passe en 1802? Et bien Toussaint Louverture, qui avait juré fidélité à la République, décide de faire sécession de l'île de Saint-Domingue et de faire indépendance. Et alors là, il touche à quelque chose à laquelle il ne fallait pas toucher, l'intégrité du territoire, ce qui pour Napoléon est inattaquable. Donc là, il dit « Ok, très bien, allez, pam, on tape, on rétablit et on arrête cette émeute ». Donc Toussaint Louverture, qui est évidemment un personnage formidable dans les mémoires mondiales, c'est un immense général, il a été superbe, Toussaint Louverture met fin à l'esclavage, mais établit le travail forcé. Le travail forcé à la place de l'esclavage, c'est-à-dire vous n'êtes toujours pas payé, vous n'avez toujours pas le droit de sortir des plantations et vous n'avez toujours pas le droit de vous marier. Je ne vois pas la différence à part le terme. Vous rappelez peut-être Toussaint Louverture pour nos Toussaint Louverture, qui était donc le leader de l'indépendance de ce qui va devenir plus tard l'île d'Haïti, qui était le leader de Saint-Domingue, qui avait prêté serment de fidélité à la République et qui décide donc finalement de faire sécession, après tout, il y a le droit. Hein, et qui était lui-même d'origine de Saint-Domingue. Était de Saint-Domingue, oui, absolument. C'était un général français de Saint-Domingue, absolument. Oui, la fameuse République raciste qui a des généraux noirs, mais elle est très raciste. Ça, c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, dans les armées de la métropole qui vont se battre contre les indépendantistes de Saint-Domingue, il y a également des soldats d'origine africaine et des soldats métis qui sont du côté des troupes métropolitaines. Donc on est dans un. Il y a eu des abus, il y a toujours des abus, on est dans une guerre, évidemment, mais ce n'est pas une guerre raciste. C'est une guerre dont l'objectif n'est pas de tuer les Noirs parce qu'ils sont Noirs. L'objectif n'est pas de rétablir l'esclavage des Noirs parce que c'est simplement parce que l'indépendance, non, les gars. Non, ça, c'est pas possible. Il y a l'intégrité du territoire et Napoléon a des intérêts géopolitiques à préserver dans les Caraïbes l'accès aux États-Unis, la lutte contre l'Angleterre qui font que. Et d'ailleurs, s'il y a eu.
un massacre strictement raciste, c'est-à-dire où on a tué des gens pour leur couleur de peau. C'est également à Haïti, effectivement. Mais alors, ça a été fait par M. Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, qui a été le premier chef d'État d'Haïti, et qui, lui, donc on ne me trompe pas, de février à avril 1804, donc on est en 1804, de février 1804, a lancé tout simplement un massacre de tous les Blancs, parce qu'ils étaient Blancs, en ne conservant que les médecins. Donc il a gardé que les médecins. Hommes, femmes, enfants, terminé. Ça a été une boucherie. Le même Dessalines qui se proclame empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Donc il n'y a pas de racisme chez Napoléon. Le fait de effectivement maintenir ou rétablir l'esclavage est une faute morale. Bien évidemment, personne n'est pour l'esclavage, complètement stupide. Est une faute morale, mais qui s'explique dans un contexte géopolitique de maintien de l'intégrité du territoire français. Si je peux rajouter. Allez-y. Donc un mot, puisqu'on a parlé un petit peu d'antisémitisme. Qu'est-ce qui s'est passé en 1921? Je reviens toujours à 1921, à Varsovie, le 5 mai 1921. Il y a une grande conférence organisée par donc, l'Association des commerçants juifs de Varsovie, qui font une conférence sur Napoléon Ier et les juifs, parce que Napoléon Ier a libéré les juifs du ghetto juif de Varsovie. Voilà, c'est une libération pour les juifs. Vous pouvez demander à tous les juifs. Hein. C'est pas. Vous diront tous que Napoléon a libéré les juifs. Là, vous savez, c'est la vieille méthode stalinienne, ce qui n'étonnera personne de la part d'élus de la France insoumise, qui est de dire traitez votre adversaire de fasciste, le temps qu'il prenne à se justifier de ne pas être fasciste, vous aurez le temps de trouver autre chose pour l'embêter. Je suis désolé, on n'a pas la mémoire de Napoléon n'a pas à justifier d'antisémitisme, absolument pas. Les faits parlent d'eux-mêmes, c'est une évidence. Napoléon n'était pas antisémite. Alors, autre chose, on reproche à Napoléon Ier d'avoir été à l'origine de centaines de milliers de morts avec ses guerres incessantes à travers tout l'Empire. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Déjà, on pourrait me dire la France était moins peuplée en 1815 qu'en 1800. C'est pas le cas, déjà. Bon, déjà, non, mais c'est vaut mieux le dire parce que dans le livre de M. Jospin, M. Jospin dit exactement le contraire, en disant la France a été dépeuplée à cause de Napoléon. Donc là encore, c'est toujours le même procès. Il faut faire de Napoléon donc un massacreur. Et donc il faut se mettre toujours auprès de ses pauvres victimes. Les guerres de Napoléon, premièrement, c'est les guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est la Révolution. C'est M. Dumouriez qui déclare la guerre à l'Europe. C'est pas Napoléon. Et Napoléon, quand il devient premier consul, il est attaqué, c'est à Marengo. C'est pas lui qui a déclenché la guerre. Il avait autre chose à faire que de déclencher une guerre. Et si on regarde quasiment la totalité en dehors de la campagne de Russie, il a été attaqué. Austerlitz, c'est pas lui qui a dit « Tiens, je pars à la conquête de l'Europe centrale ». Donc il faut aussi guerre de la Révolution et de l'Empire. Et puis, bon, un fait, c'est que bon, souvent, on ne mourait pas sur les champs de bataille, mais on mourait soit des démarches ou alors des suites d'un combat où, malheureusement, à l'époque, la médecine donc, était assez déficiente. Bon, voilà, c'est ça. Et quand on regarde ce que les généraux de la République, entre 1914 et 1918, ont réussi à faire, s'ils n'avaient pas 200 000 morts tous les jours, ils trouvaient que la journée n'avait pas été réussie. Donc regardons, encore une fois, regardons les choses de manière objective. – Quel est le bilan Est-ce qu'on a un bilan un peu précis sur le nombre de morts ?– Alors on a un bilan un peu précis sur le nombre de morts. Alors on a un bilan un peu précis. Aujourd'hui, les principaux historiens, j'entends par principaux historiens, donc aujourd'hui, en France, en tous les cas, c'est évidemment le professeur Tullard, Thierry Lenz, Pierre Banda, David Chantran, Jacques-Olivier Boudon, j'en oublie certainement, Arthur Chevalier. Bon, c'est très compliqué, en fait, de faire un bilan comptable. Mais en gros, il y a un consensus autour de 900 000 à 1 million de morts français, okay, et 1 million et demi de morts européens, c'est-à-dire en tout 2 millions et demi de morts en 23 ans. Hein. Donc c'est 23 ans de guerre. Donc et ce que disait le président Banda est important. Quand vous faites le différentiel démographique, alors pour le coup, ce n'est pas du travail d'historien, c'est du travail de démographe. Donc les démographes ont étudié ça dans le détail aussi, puisqu'il s'agissait d'accabler Napoléon, donc on a étudié ça dans le détail, et se sont rendus compte, mais c'est tout de même une honnêteté scientifique, dire ben non, en 1815, il y a 1,5 million de Français en plus qu'en 1790. Donc la population française a cru de 1,5 million d'habitants entre 1790 et 1815. C'est Napoléon, on lui prête une phrase, c'était
une Paris. Oui, c'est faux, c'est complètement faux. C'est totalement apocryphe. C'est oui, ah non, c'est ça, ça, ça jamais dit. Ça, c'est au lendemain de la bataille de Wagram. Voilà. On lui dit ça. Vous savez, aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux sociaux, vous prenez une image de Napoléon, vous mettez une petite phrase assassine, entre guillemets, et tout le monde va croire que c'est une citation de Napoléon. C'était la même chose à l'époque chez les mémorialistes. Voilà. Et Murat est à la tête de l'armée française à Madrid à ce moment-là, et donc fait calmer les émeutes, essaie de faire calmer les émeutes, y parvient. Donc il réussit à faire venir les 20 ou 30 000 émeutiers. On parle de 20 ou 30 000 émeutiers. Hein. Ce n'est pas un soulèvement général de la population madrilienne. De 20 ou 30 000 émeutiers, il y parvient. Il arrive à les circonscrire à la Puerta del Sol. Et là, pas de peau, pas de chance. Un coup de feu part et tue le Mamelouk Mustapha. Alors à nouveau, les fameuses armées racistes de l'Empire. Donc le Mamelouk Mustapha, qui est adoré par ses frères d'armes, qui est adoré par ses compagnons, et qui, quand il voit le Mamelouk Mustapha abattu, se mettent à sabrer la foule. Donc c'est à partir de là que les auditeurs comprennent. Le Mamelouk Mustapha, donc c'est un soldat de l'armée française, d'origine égyptienne, qui que Napoléon est revenu, enfin a pris dans ses valises en revenant de l'expédition d'Égypte. Qui a suivi Napoléon, mais sur le oui, retour, après l'expédition d'Égypte. Parce que lui, Napoléon, justement, les Égyptiens, les Arabes qui ont donc combattu donc avec lui, il ne les a pas abandonnés donc en Égypte. Il les a ramenés aussi donc en France. Donc, pendant qu'on en est à parler des liens de Napoléon avec le monde arabe, il y a des gens qui disent qu'il s'intéressait beaucoup à l'islam. Certains vont même jusqu'à dire qu'il se serait converti, qu'il serait devenu musulman. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces liens entre Napoléon et le monde arabe ? Encore une fois, une grande fascination. Donc ça, c'est tout à fait évident. Et un grand respect donc de la culture égyptienne, de la culture arabe. Une grande fascination aussi pour ce que le prophète Mohammed a réussi à faire. Parce qu'il est parti de rien, comme lui, du fin fond du désert, avec le succès qu'il a eu. Donc un très grand respect. Donc là aussi, c'est pas quelqu'un qui s'est attaqué à la religion musulmane, pas du tout. Quand il est arrivé en Égypte, il a bien dit aux soldats « Vous allez respecter, comme vous l'avez fait en Italie, ici, bah, ce sont des musulmans. En Italie, c'était des catholiques. Vous faites la même chose. » Et à aucun moment, il y a eu cette volonté, là aussi, d'éradiquer quoi que ce soit. Encore une fois, Napoléon, c'est quelqu'un de pragmatique. Il a dit « Moi, je suis catholique en Italie. Je suis musulman en Égypte, parce que c'est nécessaire. » Bon, il n'est pas un croyant, mais il avait une vision, comme on l'avait à l'époque, du grand architecte de l'univers. Après, les formes très concrètes, il était prêt à s'adapter à tout. Et c'est pour ça qu'il était pragmatique avec toutes les religions. Il n'y avait aucun interdit à qui que ce soit d'exercer sa propre religion. Mais il y avait une certaine fascination. Ça, c'est tout. Napoléon fasciné par le monde arabe, fasciné aussi par l'Égypte ancienne. Il faut en profiter peut-être pour parler de Napoléon l'érudit ou intellectuel, puisqu'il vient avec le scientifique, il vient avec Vivant Denon, il vient avec toute cette armée de scientifiques, il fait cette fameuse déclaration du haut de ses pyramides, 40 siècles nous contemplent. Donc il va faire naître en fait l'école française d'égyptologie aussi. Absolument. Donc encore une fois, faire une expédition en emmenant donc près de 120 scientifiques dans toutes les catégories, y compris des astronomes, des botanistes, des spécialistes des langues. Et le but, ce qu'on a complètement oublié, parce que pourquoi il emmène ces scientifiques ? C'est pas pour leur dire je vais vous apporter la science, c'est pour faire de la science en Égypte, pour bénéficier de la science antique. Et arrivé sur place, certains vont accompagner donc le général des Ais, et là on va découvrir ce qu'on ne savait pas. Si on le savait, on n'y aurait pas été. Donc on découvre donc cette grandeur de la civilisation donc égyptienne pharaonique. Mais le but, c'est vraiment de faire de la science en Égypte, en disant nous allons renouer avec la science antique, avec Alexandrie, donc le berceau de sciences modernes. Et n'oublions pas, Napoléon, c'est un grand scientifique. Hein, et n'oublions pas tous les scientifiques qu'il a favorisés, comme Fourier, Joseph Fourier. Si votre téléphone portable il fonctionne aujourd'hui, c'est grâce à Joseph Fourier, préfet de l'Isère, qui a accompagné donc Napoléon donc en Égypte et qui était le président justement donc de ce cénacle scientifique donc en Égypte. Et des scientifiques, il y en a d'autres en astronomie. Je pourrais vous en parler encore plus longuement. Il a même nommé des scientifiques ministre de l'Intérieur, un astronome ministre de l'Intérieur comme Laplace. Fallait oser, mais il l'a quand même fait. Donc il y a tout cet aspect scientifique qu'il ne faut surtout pas négliger chez Napoléon. Un lointain écho de l'expédition d'Égypte, ce sera Champollion,
qui, français, fasciné par l'expédition d'Égypte, finirait. Mais ça sera après. Ça sera après, dans les années 1840, quelque chose comme ça. Voilà. Sera le premier à déchiffrer des. Absolument. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Égypte moderne, elle est née à ce moment-là. N'oublions pas que c'est l'Égypte se libère donc de l'empreinte turque, disons, non pas à le dire, surtout en ce moment, et l'Égypte devient doucement un pays moderne. D'autres scientifiques vont revenir en Égypte, et c'est la grande époque égyptienne de la France égyptienne. La France, elle est restée présente en Égypte tout le 19e siècle, et le canal de Suez. Petit écho quand même en faveur de Napoléon III. Voilà. S'il y a un canal de Suez, c'est grâce à la France et à Napoléon III. La francophilie générale qui s'est développée en Égypte, y compris dans le mobilier retour d'Égypte de Napoléon. Après l'Égypte, il va en Syrie, je crois. Absolument. Il va monter donc jusqu'en Syrie. Donc la bataille du Mont Tabor. Vous imaginez ce que ça peut être dans la France de l'époque. On se souvenait quand même un petit peu de sa culture chrétienne. Napoléon qui va à Nazareth. Vous imaginez un petit peu l'écho que ça peut avoir. Et c'est pour ça qu'il a toujours dit « Si j'avais réussi donc à Jaffa et donc, à Saint-Jean d'Acre, je ne me serais peut-être pas arrêté là et peut-être que je ne serais jamais revenu en France. » Il ne se sentait pas particulièrement donc destiné à revenir en France. Mais voilà, la destinée, on a voulu autrement. Mais il était très fasciné par Alexandre le Grand, notamment. La campagne de Russie, au départ, c'est la campagne de Pologne. C'est pour libérer la Pologne. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça qu'en Pologne, encore une fois, en 1921, on célèbre donc le 5 mai 1921. Il y a de grandes manifestations. Il y a 200 000 Polonais qui vont défiler devant l'ambassade de France, donc le 5 mai 1921. Vous imaginez un petit peu. Parce que Napoléon, c'est le libérateur. Oui, le libérateur de la Pologne. Et on s'en souvient. Et donc, et c'est lui qui va apporter la première indépendance de la Lituanie. Les Lituaniens, aujourd'hui, ils le savent aussi. Parce que c'était donc une conquête d'Alexandre Ier. Petite parenthèse, Alexandre Ier, lui, il fait la conquête de la Finlande, de la Pologne, de la Bessarabie, de l'Alaska, du Caucase. On ne lui reproche rien, hein, Alexandre Ier. Tout ça, c'est normal. Ça, c'est des conquêtes qui sont tout à fait légitimes. Bref, petite parenthèse. On n'en parle jamais, bien évidemment. Et donc, c'est la libération. Mais il pensait s'arrêter donc aux frontières, la frontière donc de l'Empire russe. On sait ce qui s'est passé. Donc, il a dû aller jusqu'à Moscou, ce qui était donc une erreur stratégique, bien évidemment. Alors, pour terminer sur les sujets qui fâchent, on va avoir tout éclusé, mais on en a encore deux à vous poser pour vous titiller. Certains font remarquer que Hitler a fait la même chose que Napoléon, c'est-à-dire qu'il a, avec l'opération Barbarossa, il a envahi l'Union soviétique. Ils ont été d'ailleurs l'un et l'autre vaincus par le général Hiver, comme on dit. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison que certains esprits malveillants font entre Napoléon et Hitler ? Ah oui, alors ça, c'est la sempiternelle réduction ad Hitlerum. Donc évidemment, Napoléon n'a pas pu échapper Godwin. À ce le point Godwin, le fameux point Godwin, Napoléon. Alors j'en profite, d'ailleurs, on compare pratiquement tous les chefs d'État à Napoléon. Pas de raison qu'on n'ait pas comparé Hitler également à Napoléon. Non, alors il n'y a strictement aucun rapport entre Hitler et Napoléon, évidemment. C'est une absurdité complète, au même sens que traiter Napoléon d'antisémite, c'est complètement ridicule. Tout simplement parce que, à tous les points de vue, je veux dire, Napoléon est dans le diffuse des idées de liberté, d'égalité. C'est exactement l'inverse, la démarche d'Adolf Hitler. Le background de Napoléon n'a rien à voir avec le background d'Hitler. Enfin, il n'y a aucun point de rapport entre Napoléon et Hitler. Le seul point commun, c'est effectivement, malheureusement, cet échec de Napoléon face à la Russie et évidemment le drame russe pour Adolf Hitler. Mais là, j'aimerais faire plaisir à nos amis néo-staliniens en citant leur idole qui règle le problème entre Hitler et Napoléon, puisque Joseph Staline, le grand Joseph Staline, chers amis néo-staliniens, nous disait « Hitler ne ressemble pas plus à Napoléon qu'un petit chat ressemble à un lion ». Car Napoléon combattit les forces de réaction en s'appuyant sur les forces de progrès, tandis qu'Hitler, bien au contraire, s'appuie sur les forces de réaction pour combattre les forces de progrès. Je pense que pour une fois, Saline a résumé le sujet. Voilà, fermer le banc, je veux dire, c'est complètement ridicule. D'accord. Alors, deuxième question. Et pour répondre à toutes ces attaches, ça veut dire que j'assume tout. En tant que membre de la famille, j'assume tout, comme Napoléon assumait tout.
De Clovis au comité de salut public, j'assume tout l'héritage napoléonien, même les parts les plus sombres. Deuxième reproche que l'on fait à Napoléon, c'est quand même d'avoir établi une société de surveillance policière, autoritaire. On reproche Fouché. On reproche... D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que Fouché et Talleyrand en pinçaient un peu pour votre ancêtre et qu'ils avaient envisagé de remplacer Napoléon par le prince Murat. C'est vrai, c'est exact, c'est vrai. C'est alors là, pour le coup, c'est absolument exact. Vous auriez pu descendre d'une altesse impériale. Eh ben, allez savoir. Et alors, d'abord, sur l'autoritarisme, j'en viens ensuite au choix de Murat comme successeur de Napoléon, de l'empereur. Sur l'autoritarisme, alors, effectivement, assez logiquement, on est en droit de considérer que Napoléon est un chef d'État autoritaire, parce que c'est vrai, c'est un chef d'État autoritaire. En revanche, ce n'est pas du tout un dictateur. On est absolument pas dans une dictature. On est dans un État centralisé, fort, mais qui répond à un État de droit. Napoléon a mis en place tout un corpus, tout un corps juridique et tout un corps législatif que nous avons cité, hein, les cours d'appel, les cours de cassation, le tribunal, le Sénat, etc., qui va respecter toutes les décisions de Napoléon, seront passées par tous ces corps législatifs. Il respectera systématiquement l'État de droit. Systématiquement. Il a mis en place un État effectivement assez autoritaire, à la demande d'ailleurs de la Révolution, puisque vous savez que le 18 Brumaire, le coup d'État de Napoléon, quand Napoléon devient premier consul, n'est pas une initiative de Napoléon. Ça aussi, ça fait partie des raccourcis qu'on fait. C'est M. Seyès, l'abbé Seyès, qui est un des initiateurs de la Révolution française tout court, qui, voyant que le directoire, la constitution du directoire ne fonctionnait pas, faisait un pays beaucoup trop instable, corrompu jusqu'à l'os, et beaucoup trop instable, se dit « il faut changer le régime pour aller vers un consulat ». Ça n'est pas une idée de l'empereur, de Bonaparte à l'époque, c'est une idée de Seyès, pour un régime plus fort, plus stable, avec à la tête duquel il nous faut un sabre, il faut un général. Donc c'est l'initiateur, un des grands fondateurs de la Révolution française, l'abbé Seyès, qui veut mettre un sabre. À l'époque, il y en avait plein de sabres disponibles, c'est ce que le président Gourdeil le rappelait. Il y avait Lafayette, il y avait Joubert, il y avait Moreau. Et il se fait que, pour des questions historiques, c'est tombé. Enfin, Joubert se fait tuer sur le champ de bataille, Moreau part un peu en vrac. Donc c'est Bonaparte qui sera choisi pour être le représentant du coup d'État. Coup d'État, d'ailleurs, je profite pour le rappeler, où Murat sauve la vie de Napoléon. Il a fallu un peu pousser, je crois, un peu à la roue. Oui, alors en fait, Bonaparte, le 18 Brumaire, le 18 Brumaire, Bonaparte est un légitimiste dans le sens où il aime l'État de droit. Et là, d'un seul coup, on lui demande de faire un coup d'État. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas son truc. Et donc l'idée, si vous voulez, il fallait faire tomber trois directeurs pour qu'il n'y en ait plus que deux, donc faire tomber le directoire et après faire passer un nouveau régime. Donc ça, vous avez Lucien, Joséphine et Murat, avec Bonaparte aussi, mais c'est Lucien, Joséphine et Murat massivement qui s'occupent d'obtenir la démission des trois directeurs, donc de préparer le coup d'État. Il faut convaincre le Conseil des Anciens. Il y a le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Le Conseil des Anciens, c'est un peu l'équivalent de notre Sénat à nous. Le Conseil des 500, c'est un peu l'équivalent de notre Assemblée nationale. Le Conseil des Anciens est convaincu rapidement, il faut changer, il faut passer un consulat, pas de problème. Ensuite, il faut convaincre le Conseil des 500 qui se réunit à Saint-Cloud, qui n'avait plus l'habitude de ça, qui se dit « qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est à Saint-Cloud » Et là, le général Bonaparte entre pour dire « citoyen », etc. Voilà. Et commence à faire un discours où il est très très mauvais. Il fait un très piètre orateur, il entre en plus avec son sabre, donc les députés disent « qu'est-ce que c'est? C'est une honte, c'est une provocation », etc. Et donc il est sorti, il est à ça d'être déclaré hors la loi, et il se gratte la peau. Il est pris d'investiture, il se gratte. Et Napoléon a une peau qui est faite de beaucoup de boutons, de petits... Il n'y a pas une peau très saine, et donc il saigne très vite. Et donc en fait, il a le visage en sang. Mais c'est pas parce qu'il a été battu, c'est parce qu'il s'est gratté la peau. Et donc là, Lucien voit ça au loin et se dit « Tiens, on va expliquer que Napoléon se fait attaquer par les députés. » Murat profite de l'occasion, dit « Très bien, on va sauver l'empereur, on va sauver le général Bonaparte. » Et là, Murat rentre dans la salle du Conseil des 500. « Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde-là dehors. » Et c'est là qu'a lieu le coup d'État. En fait, le coup d'État est fait physiquement par Murat, et il porte, et c'est un coup qui a été organisé par Seyès, Lucien, Murat, Bonaparte et Joséphine. Voilà. Et Napoléon Bonaparte, lui, a été un peu promené là-dedans. Oui, il se retrouve premier consul. Alors là, il va dépasser toutes les espérances. C'est l'enfant chéri de la victoire devient en plus le fils prodigue, parce que là, c'est incroyable. On a cité tous les acquis qu'on doit... il hérite d'un pays qui est en état de guerre civile, qui est attaqué à toutes ses frontières, et il fabrique la France moderne.
Voilà, il avait une grosse matinée à tuer, donc il fabrique la France moderne. C'est incroyable, Napoléon. Les nazis qui vont faire rapatrier en France le corps de l'Aiglon, voilà, pour qu'il repose à côté de son père, sous la coupole des Invalides. Mmh. Et alors, cette récupération politique à un siècle d'écart essaye de récupérer Napoléon en termes positifs. Et à notre époque, comme on l'a dit au début de cet entretien que l'on va terminer maintenant, ben c'est un peu l'inverse. C'est un peu le mistigri. Et donc c'est à qui rejettera l'image de Napoléon. Alors qu'est-ce que ça vous inspire en conclusion, Prince Joachim ? Très rapidement, François Asselineau, sur le rapatriement du roi de Rome aux Invalides par Adolf Hitler. Il faut savoir qu'à l'époque, le prince Napoléon et le prince Murat sont dans la résistance française, les deux. Le prince Murat, mon grand-père, sera tué en 1944 par la division Das Reich. Celle-là même qui avait commis au Radeau-sur-Glane, absolument. Le prince Napoléon, qui fera une très belle résistance, lui, se sortira vivant de tout ça. Et surtout, le prince Napoléon était donc celui qui tenait à l'époque ce qui restait du parti bonapartiste. Et le prince Napoléon a donc mis en sommeil dès 1938, il me semble, peut-être 1939, le parti bonapartiste pour que, justement, il ne soit pas instrumentalisé par des turéféraires ou par des amateurs d'Adolf Hitler. Donc là, vraiment, pour le coup, effectivement, pas de peau, pas de chance. Il a fallu que ce soit Adolf Hitler qui ramène le roi de Rome. Donc, mais alors là, la famille, non seulement, évidemment, n'est pas désolidarisée, n'a jamais été du tout associée à quoi que ce soit dans tout ça. Donc au contraire, puisqu'on était, les deux princes, le prince Napoléon et le prince Murat, étaient dans la résistance et se battaient contre les Allemands, justement, à l'époque. Sur l'instrumentalisation, donc l'instrumentalisation, aujourd'hui, c'est une instrumentalisation négative. Moi, alors, on peut parler de Napoléon pendant des heures, on peut le critiquer, on peut l'adorer, on peut être napoléonâtre, on peut être napoléonophobe, on peut faire ce qu'on veut avec Napoléon, c'est formidable. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle je pense il faut être attentif, c'est qu'on est face à un risque de démarche d'effacement sur des prétextes complètement fallacieux, sur des détournements, des instrumentalisations, on va effacer les personnages, donc ça c'est évidemment très dangereux. Et il y a un autre aspect qui, moi, me frappe vraiment, c'est que Napoléon, si vous voulez, c'est un condensé d'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la vitamine pure. Et on a l'impression que ça embête. On ne veut surtout pas donner de l'énergie aux Français. Il ne faut surtout pas donner un sentiment de fierté, un sentiment de « Ah oui, tout de même, la France a été un grand pays. La France a fait de très belles choses. » Ça, surtout pas. Donc ça, il faut casser ça. Il faut mettre en place à nouveau la pompe à ressentiment, la pompe à repentance, et surtout casser la pompe à grandeur, qui fait tellement peur à tout le monde. Et donc Napoléon, si vous voulez, c'est un moteur d'énergie, c'est un moteur de volonté, c'est un moteur de grandeur, c'est un moteur de fierté. Et bien sûr qu'il y a des zones qu'il faut discuter, critiquer, mais quand on parle de Napoléon, ne pensez pas à Napoléon, pensez France napoléonienne. Et là, vous êtes dans quelque chose de magnifique, de fantastique. Cette France où une Lavandière devenait duchesse, où un fils d'aubergiste devenait roi de Naples, où un Pousse Mégot devenait membre de l'Institut. La France de la méritocratie pleine, entière et vraie. C'est ce très rare moment de l'histoire de France où la méritocratie a joué à plein. Donc là, si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se rappelle que nous, Français, la France et les Français ont été capables de produire quelque chose d'aussi grand, d'aussi formidable, d'aussi bénéfique dans l'ensemble, une fois de plus, bien sûr, des zones d'ombre, mais aussi bénéfique dans l'ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche de recommencer à faire quelque chose de bénéfique et de nous rassembler autour de ça? La personne de l'empereur, par exemple, peut tout à fait servir d'exemple d'intégration à plein de gens. Il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français, abandonné seul dans une petite école, et c'est devenu l'empereur des Français. Ouais, donc quelqu'un qui arrive d'un pays étranger, qui ne parle pas un mot de français, pouvait devenir l'empereur Napoléon. C'est un exemple d'énergie, un exemple de volonté. Tous ces soldats sont des exemples de dévouement, de succès. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Il faudrait instrumentaliser Napoléon bénéfiquement, comme on a su le faire jusqu'à Pompidou, et pas négativement, comme on le fait depuis ce clairon qui ne sonne que les retraites, c'est-à-dire depuis Jacques Chirac. Donc mettons fin à la jurisprudence Chirac. Que le président Macron fasse une jurisprudence Macron et qu'il relance le sentiment de fierté parmi les Français. C'est tout ce que je vous souhaite. Je ne sais pas s'il le fera. Il s'est engagé à faire un discours sur Napoléon. On verra si ce sera un discours de déconstruction, si ce sera un discours du « en même temps » ou si ce sera un discours de fierté, de dynamique, de vitamine. Mais et si dites... enfin, on sera... Vous y croyez vraiment ? Je veux dire, quand vous voyez qu'on a comparé François Hollande
à Napoléon, oui. Alors, Macron à Napoléon, vous y croyez vraiment ? Alors, comparaison n'est pas raison, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, François Hollande et Napoléon. Oui, c'est intéressant. C'est un journal espagnol, je crois qu'il a trouvé des... Alors, je vais vous dire, même sur la fin de sa vie, il n'y avait pas de ressemblance, même physique, entre François Hollande et... Sur la fin de la vie de Napoléon, entre François Hollande et Napoléon. Non, là, je ne vois vraiment pas le rapport entre François Hollande et Napoléon. Macron peut être comparé à Louis-Philippe. Ça, oui, c'est vrai. J'ai rien contre Louis-Philippe. Hein, je suis plutôt orléaniste. J'ai rien contre Louis-Philippe. Mais non, je ne pense pas qu'on puisse le comparer à Napoléon. Je sais que... Oui, alors, OK, il est jeune, il est dynamique. Bon, très bien. Mais d'une façon générale, en politique, les gens commencent jeunes et dynamiques. On ne va pas tous les comparer à Napoléon. Bon, merci beaucoup. En tout cas, pour conclure, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit. Parce que je crois que c'est important de le souligner. C'est que... Prince Joachim, donc, qui est de la maison Murat, qui sera, quand votre père sera décédé, vous serez le chef de famille, donc vous serez le 9e prince Murat. Eh bien, son grand-père est mort en 1944, fusillé par la division d'Asreich, les nazis. Votre père n'était pas encore né. Il est né trois mois après. Mon père est pupille de la nation. Il était pupille de la nation. Donc je me permets de le souligner aussi parce que c'est important de montrer que même des personnes qui ont, comme vous, qui ont une ascendance extrêmement prestigieuse, on a l'impression quand même qu'il y a un ADN dans la famille qui vous rend patriote et qui vous rend du côté des Français. Voilà. Pour ce qui me concerne, je suis très satisfait de cet entretien. Je crois que c'est important que tous ensemble, on regarde la France telle qu'elle est. L'histoire, c'est un tout. On a le droit, bien sûr, de critiquer, de s'interroger. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Christian Bourdeille et avec vous-même, Prince Joachim. Je crois qu'on a beaucoup creusé le sujet de Napoléon. Vous vous êtes fait une opinion, je pense. Entre ces moments de lumière, ces moments d'ombre, je suis en tout cas de ceux qui sont persuadés que nous devons commémorer, voire célébrer Napoléon Ier, sans occulter effectivement les critiques que l'on peut lui faire avec 2 siècles de recul, mais sans oblitérer non plus tout ce qu'il a apporté à notre pays, et puis surtout, surtout, en gardant bien à l'esprit, et je crois que vous serez d'accord, Prince Joachim, Monsieur le Président, vous serez d'accord avec moi, c'est que la pire des choses pour une nation, c'est qu'on oublie sa propre histoire, parce que c'est le début de la fin, comme l'avait dit le maréchal Foch. Hein, c'est en oubliant sa propre... Si on perd la mémoire de ce que l'on est, c'est la seule façon de détruire une nation. Hein. D'où l'importance qu'il y a. Et même si les cérémonies officielles sont inexistantes ou quasi inexistantes, eh bien j'ai tenu à ce que l'UPR TV soit là pour vous recevoir et pour vous donner la parole et pour le faire connaître à tous nos compatriotes. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Merci, Prince. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci mille fois.